Bon, une dernière question, et puis on va quand même vous laisser, parce qu'il fait des tards pour vous. Qu'attendez-vous? Demain, comme conseiller des Français de l'étranger, on peut vous aider comment? Alors, ben, moi, c'est. Je vais vous dire, moi, depuis le début du mandat, les conseils, je vais approprier mes consulaires. J'en ai 70, moi. Je les réunis en visioconférence comme nous faisons là tous les trimestres. Et c'est eux qui me donnent. D'abord, ça permet d'avoir un échange tous ensemble, du coup, entre eux, ils se rendent compte des difficultés qu'ils ont ici ou là. Ça permet à nous tous de se rendre compte parfois que l'administration des Français à l'étranger fait des trucs qui nous paraissent bizarres. Donc, parfois, quand on est tout seul à le trouver bizarre, bon. Mais quand plusieurs, ah, il y a peut-être un loup. Donc, ça permet d'unir nos forces. Moi, ça me permet aussi d'avoir la température sur le terrain, de savoir où il va falloir que j'aille en premier ou pas, et puis de remonter les informations au ministère. Et par exemple, là, tout concrètement, là, le 16 mars, il y a l'Assemblée des Français de l'étranger. Moi, j'ai été saisie par des conseillers consulaires de chez moi qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont conseillers à l'AFE. Ils m'ont dit, mais moi, je ne veux pas aller à Paris, là. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. Et puis, le problème, il est actuellement chez moi, avec les problèmes sanitaires qu'on a en ce moment. Bon, moi, j'en ai vu un, puis deux, puis trois. OK, là, moi, je vous suis complètement, vous avez raison. J'ai rencontré le ministre mercredi dernier. J'ai dit, Jean-Baptiste, tu la maintiens, la session? Ah oui, etc. Je lui dis, ben, tu fais comme tu veux, mais moi je te suis pas. Je te préviens, je ne te suis pas et partout où j'irai, je ne te suis pas. Il ne s'est rien passé. Vendredi, j'ai publié un communiqué presse. Ce matin, la presse me contactait. J'étais sur un plateau télé à midi et j'ai dit publiquement que je ne voulais pas que l'Assemblée se tienne. Donc voilà comment les conseillers consulaires m'aident. C'est un rôle, enfin, dans ma façon de fonctionner, super important parce que j'ai besoin de ce contact avec tout le monde. Alors, je le fais de façon transpartisane. Certains le trouvent. J'ai sur 70, j'ai une trentaine qui travaillent avec moi, mais sur les 40 autres, il y en a 40 qui ne travaillent pas du tout par ailleurs. Donc, c'est pas de problème. Et moi, je trouve ça extrêmement utile. Vous êtes vraiment au cœur d'une communauté. C'est vous qui voyez comment un consulat fonctionne, comment la commission fonctionne, quels sont les problèmes. Et puis parfois, c'est vous qui pouvez avoir des idées. Là, il faudrait peut-être mettre en place tel type de dispositif. Du coup, j'échange avec un autre ailleurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quel dispositif? Est-ce qui t'aiderait, est-ce qui t'aiderait pas? Et moi, c'est vraiment cette intelligence collective que je fais fonctionner tous les trimestres.